je n'augmenterai pas un sou sur le salaire de quiconque. Donc les gens peuvent se mettre en grève. S'ils se mettent en grève, les résultats qu'ils vont récolter, c'est seulement qu'ils n'auront pas leur salaire. L'État n'a pas un arbre qui produit des feuilles qu'on appelle argent. Les Ivoiriens sont comme les gens qui veulent du beurre, mais qui ne veulent pas qu'on traite la vache. Or, vraiment, c'est avec le lait de la vache qu'on fait le beurre. Le gouvernement fait donc de la lutte contre la vie chère une priorité. Nos excellents résultats économiques doivent se traduire nécessairement par une amélioration des revenus et un effort en faveur des plus démunis. C'est dans cet esprit que nous avons décidé d'augmenter de manière substantielle le salaire minimum interprofessionnel garanti, le SMIG, qui est passé de 36 607 francs CFA à 60 000 francs CFA. Comme vous le savez, les salaires des fonctionnaires étaient bloqués depuis 1988, soit un quart de siècle. Le gouvernement a donc décidé de la revalorisation des salaires et du déblocage des avancements des fonctionnaires dès janvier 2014. Avec étalement des effets financiers sur 5 ans. La revalorisation des allocations familiales, l'extension du bénéfice de l'indemnité de logement, la revalorisation de l'indemnité de transport, le relèvement de l'indice référentiel de base, autant d'avantages annoncés par le chef de l'État. Je viens de retirer mon bulletin juste pour vérifier ce que notre président de la République nous a promis et je vous assure que c'est effectif. Et là, nous sommes vraiment, personnellement, moi, je suis heureuse de cette augmentation-là. J'ai constaté sur mon bulletin que le président de la région l'a à la parole. Il y a une plus-value, effectivement. Ce qui a été ajouté apporte un soulagement aux ménages, comme je le dis, un soulagement dans les différentes familles. Nous disons merci au président de la République. Il démontre qu'il est plus facile de gouverner en respectant sa parole et en étant à l'écoute de ses administrés. Vous remarquez le large sourire sur le visage. Ça veut dire que les choses sont effectives. Vraiment, c'est une bouffée d'oxygène